Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, c'est Edition. Je t'attends des nouvelles, ça qui entre la caillou. Moi, c'est mettre info, quelques à côté branché. Nous disons bienvenue sur le canal Information sans fausse côté. C'est toujours un véritable plaisir pour nos amis téléspectateurs, amis internautes, pour nous présenter aux Éditions Nouvelle Parole. Pour une troisième fois, le juge d'instruction Gary Aurélien, qui gagnait dossier assassinat Jovenel Moïse Lanamel, l'a instruit, et bien, il arrivait récit, fin tendez. Et ancien commissaire, ancien inspecteur divisionnaire Jean Laguel Civil, qui s'était responsable USP, Unité Sécurité Palais National, disons Unité Sécurité Présidentielle. Donc c'est en présence avocale, Maître Renaud Georges, eh bien, audition ça lui-même, l'y fait. Crise gaz la retourné pour la plus belle dans le pays d'Haïti, dans Port-au-Prince. C'est quelques rares pompes qui étaient avec porte, disons, avec porte l'ouvri à cause de gang Ameo dans la région métropolitaine empêché. Il y a approvisionné, disons, empêché, donc distributeur à chercher gaz dans Toland avec nan varé pour yo al distribuer nan pompe yo. Bandi armé, moun pa rive identifié, touye matin jeudi a en babal nan Santo, homme d'affaires José Pablo Silva. Gen gouvernement américain, eh bien, qui entamé yon série dialogue jounen jeudi a avec plusieurs médias, dialogue direct avec plusieurs médias haïtiens, avec tout plusieurs médias étrangers qui travaillent sous dossier pays d'Haïti. Amis téléspectateurs, amis internautes, c'est toujours un véritable plaisir pour nous rejoindre, pour nous présenter aux éditions nouvelles. Ça, Jean nous annonce au lit, vague insécurité à Blaïkol dans le pays d'Haïti. Donc, bandit exam, moun pas arrivé identifié et quitté à bord motocyclette, touye matin, bien bonnet, jeudi matin, nan Port-au-Prince, en Babal. Dans la zone Santo 1, dans la plaine, vice-président Anafosla, José Pablo Silva. José Pablo Silva, homme d'affaires, donc c'est tout, responsable Finca Haïti SA. Donc, et puis tout, monsieur, c'est président ANEM, qui c'est Association nationale, donc exportateur mango dans le pays d'Haïti. L'autre information, juge d'instruction Gary Aurélien, donc qui gagne un dossier assassinat Jovenel Moïse là, Namel, mais l'irrivé tendait, l'irrivé complété audition ça. Il était commencé déjà, ça gagnait deux fois. Donc, audition inspecteur divisionnaire Jean Laguel Civil, ancien responsable unité sécurité présidentielle. Donc, juge Gary Aurélien qui était campé audition ça deux fois déjà à cause, eh bien, problème courant dans le paquet avec tout gang Ameo qui tape 6 000 balles. Donc, qui était empêché, eh bien, tribunal là, travail, Maître Renaud Georges, avocat Jean Laguel Civil, fait qu'on est juge là, eh bien, fini avec client là, et il déjà remettre requête li, eh bien, pour être capable de faire une main levée et coup pour lui dans le dossier, si la faut que nous disions, d'après Maître Renaud Georges, donc c'est avec une batterie, et donc il était installé, il était fait installer dans le tribunal là, donc qui permet de gagner lumière pour juger là lui-même, il était fait séance si là. Donc nous invitons à suivre déclaration Maître Renaud Georges. Moi, toujours été quoi que client n'a li prenant poison rat, comme moi, t'ai toujours dit nous. Bon connaît yo qui fait affaire yo a essayé mettre sous dos client nan, mais le méchant fait toujours une œuvre qui le perd. Bah la virer contre quand même yo met tan yo met chita tan bah la virer contre yo très 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 bien. Nous pas nan menti, nous pas nan bluff, yo am te di nou. Donc, ils ont dégagé, ils ont joué l'autre monde qui était ensemble avec eux, les Badjo et Kou. Parce que Badjo a dit, je vais mettre mes souliers là, la chante était comme pipirite. Guinec, même si c'était de Nick, mettre mes souliers Badjo, regardez, non. Ça là, j'ai vu mes souliers là. Là. Bon, et je cherche à eux, j'ai dit, une petite lumière avec une petite batterie, tout petit. Mais Charles Tegan dans, je ne sais pas n'importe quel piratoire, je ne sais pas de l'enfer.
mais pas n'importe qui, c'est l'électrique en dedans. Il y a une nouvelle question, il y a un nouveau enseignement que le juge a besoin de jeunes même. Oui, oui, on pile le détail, le juge l'a joint. Parce que, comprenez bien, c'est le client qui fait barrer les nègres, fait comment ça arrêter les nègres. Comment vous le donnez nos bagarres avec eux, la fini vous l'avez arrêté encore. Hein? Ils ont dit que vous êtes balcon pour le séparer, bail agent cap suivi cap président. Le client n'a pas de contact avec l'agent. Son rôle administratif qu'il gagne. Ni agent tout, pas de droit à aller dans le bureau coordonnateur. Donc, même côté le président essaie de appeler la paix du milieu, le président du jeune, le président de l'île en danger, il fait toute saleté que pour le faire. Et juste après, il vérifie tout le monde. Il est arrivé Dimitri, il est arrivé Amazon, il est arrivé Léon, il est Becker, il est arrivé tout le monde bas en bas. Il arrive sous les lieux, c'est la salle à apprendre que le président mourit. Donc, je ne vais pas bien. C'est ça, soutenir un complot comme ça, ou comme ça, que tu es dans la tête au monde. Est-ce que nous avons fait vite? Qui nous est capable? Donc, nous-mêmes, nous disons clairement, juge là, pour moi-même, pas aucune inquiétude, ni de pas aucun doute dans la tête, que le client n'a pas impliqué, ni de près, ni de loin, et même de très, très loin. Il y a une autre audition qui est programmée, il y a une autre étape qui vient de vous franchir, M. George. Bon, pour qui on a, je pense que le juge l'a fini avec, je pense ça. Je suis allé à la requête, on m'a levé du mandat de dépôt. Je suis allé à la requête encore, soit fait Badioa, je ne suis pas là avec nous. Ok? Et puis je suis allé à la requête encore, parce que je suis allé à la requête. Je suis allé. Vous avez l'autre avocat qui assiste, M. George? Bon, il y a deux autres jeunes hommes, effectivement, qui ont mis. Et. J'ai l'agrès civil, il est dit, mais je suis l'avocat principal et moi-même, je travaille pour comme. Si je suis pour mon propriété de film, nous connaissons ça, Hélène Barry. Donc, si je suis l'autre et puis devant, on pourrait ça à débarquer là. Vous êtes optimiste pour libérer son client, M. George? Très. Très. Et les gens qui font ça et tout, bon, femme de parler avec eux après. Une petite parole sucrée pour parler avec eux. Parce que nous pouvons être clairs dans le dossier, oui. Nous pouvons être très clairs dans le dossier, nous promettons nous. Parce qu'il y a un gros effet de le fait. Toujours dans le cadre du dossier assassinat Jovenel Moïse, il y a un concurrent, M. Reynold Georges, donc il a manqué. Mettez main avec Maître Georges, donc peut-être les qualifier de sans éthique comme avocat à cause Maître Reynold Georges était non pouvoir Jovenel Moïse là, donc alors que la défend moun qui n'a même pouvoir ça, d'après ça concurrent fait qu'on est yon pouvoir Maître Reynold Georges était viré de Bali, donc pendant le Tevin très critique par rapport avec même pouvoir s'il a donc l'étape défend. Nous invitons à suivre échange qui était gagné entre deux messieurs yo, l'autre citoyen ça qui dit lycée avocat avec Maître Reynold Georges lui-même qui tape défend commissaire disons inspecteur divisionnaire Jean Laguelle civil. On connaît qui vient il y a tout mouvement journal t'a fait dans pays là. OK, laisse-moi parler oui. Oh, il y a tout mouvement, je ne sais pas. Oh, c'est un avocat qui réussit. Mais pour qu'on ait un avocat qui vient, pour qu'on ait un maître George, tout va mettre là. Où est l'éthique professionnelle? Quelle est l'éthique professionnelle là où on enseigne à l'école de droit? Quelle est l'éthique? Oh, il ne faut pas mettre l'éthique professionnelle et la politique et le droit. Quelle est carrément où t'es conseiller pour, et Jovenel? Ou t'es en d'après avec lui-même? Mais oui, nous faisons nous-mêmes. Coucou qu'on est là pour être devant l'accusé. Non. Vous n'avez pas, regardez, vous n'avez pas l'éthique professionnelle. On va supposer à défendre les gens accusés dans ce sens-là. Non. Où tu travailles pour lui et à moi. Deuxièmement, où tu as accusé mon lycée. Non. Vous devez rester. Où tu as accusé mon lycée. Où tu as accusé mon lycée pour le Jovenel. On va parler contre le Jovenel. On va défendre l'assassin. Montez-le à l'avocat. Montez-le à l'avocat.
Montez pas toujours avocat. Montez-moi toujours comme avocat. Identifiez-vous comme avocat. Montez-vous. C'est où vous m'allez avant. Non, montez ça avant. Non. Vous n'êtes pas dit de l'avocat. Non, montez pas avant. Non. C'est pas possible ça. Regardez bien. L'autre information, ratement gaz, crise gaz là, il retourne pire dans le pays d'Haïti après Yonti. Donc, amélioration, tout le monde est capable de constater. Dans le pompio, ça a gagné environ 2 semaines comme ça. Donc, c'est presque toute pompe gasoline dans la région métropolitaine Port-au-Prince qui ferme Portio à cause de pas gagné. Donc, carburant. Donc, il y a une des pompes qui était avec Portio l'ouvri. Donc, c'est gros laisser frapper pour le monde arriver. Joigne yon ti goutte gaz ben pour mouiller et moter machine ou bien motocyclette. Donc c'est à cause gang armé eux-mêmes cap et bien fait la loi dans zone Matissan ak en bas la ville Port-au-Prince qui empêchait distributeur produits pétroliers eux-mêmes yo al faire approvisionnement nan Tolon avec nan Varé pour capable et ben al distribuer gaz là nan pompe gasoline yo. Crise politique pays d'Haïti avec tremblement de terre 14 d'août passé qui ravagé Grand Sud là dans G gouvernement américain dans sens ça bien Maison Blanche li initié journée jeudi à Port-au-Prince une série rencontre direct avec médias haïtiens avec quelques médias étrangers qui travaillent sur crise pays d'Haïti. Première rencontre si là, il était faite journée jeudi à Port-au-Prince avec plusieurs médias haïtiens, avec quelques médias étrangers. Donc parmi les médias haïtiens qui étaient là rencontre ça, donc rejoignent Journal Le Nouvelliste, Radio RCH 2000, Radio RFM, Radio Télévision Kiskeya, Miami Herald qui c'est un journal américain et puis avec Haitian Time. Donc gagnant, faut que nous disions c'est numéro 2. Et communication Maison Blanche là, madame Karine Jean-Pierre qui même gen racine dans pays d'Haïti, donc qui t'ai fait échange ça yo avec responsable médias haïtien yo sous mais qui Jean et ben Maison Blanche lui même li wè crise pays d'Haïti à tout, donc qui t'ai parlé tout sous gros aide pays américain, pays États-Unis te bail pays d'Haïti après passage tremblement de terre 14 d'août passé à dans Grand Sud là. Donc, gouvernement américain, donc, li opté pour une solution haïtienne dans la crise politique cap brassé bill pays d'Haïti, d'après Karine Jean-Pierre, qui lui-même c'est numéro 2 équipe communication Joe Biden dans Maison Blanche. L'autre information, Haïti, toujours crise politique, porte-parole, commission cap travail. Pour joindre une solution haïtienne dans la crise, pays d'Haïti a traversé, Madame Magali Georges fait qu'on a gagné environ 30 partis politiques avec 300 organisations qui déjà signé document accord Montana. Donc, d'après syndicaliste Magali Georges, c'est à cause parti politique ça eux-mêmes qui pues, disons qui signé yo poko désigné membre dans disons dans comité suivi à quoi, donc qui fait donc estrict ici là lui-même l'hypoco campé. L'autre information, donc mode musical là avec mode culturel là dans le pays d'Haïti li en deuil. Eh bien gagné Isnar Doubi qui c'est maestro orchestre et des orchestres system band, donc monsieur Mouri journée jeudi à dans Miami pays États-Unis. Isnar Doubi, lead vocal System Band, donc était malade depuis plusieurs mois, et donc pendant l'étape recevoir soin qu'elle te mérité. D'après information yo, Isnar Doubi, maestro System Band, donc était attrapé COVID-19 là, donc ça qui était la cause situation te vine ontijan compliqué. L'autre information qui a rapport avec PET, donc dans le monde musical, dans le monde culturel, dans le pays d'Haïti, c'est Orchestre Septentrional, Ville Cap-Haïtien. Donc, Orchestre Septentrional, eh bien, li en deuil aussi. Donc, après la mort, journée mercredi, musicien Yvenel Etienne, qui est dans Soré, donc qui c'est lead vocal Orchestre Septentrional.
Donc, c'est dans la ville au Cap Haïtien, il mourit à l'âge 52 l'année sous tête li. Donc, d'après information yo, eh bien, musicien te souffri de diabète. Amis téléspectateurs, amis internautes, c'est là nous camper avec édition information ça. Nous remercions pour écoute ou attention. C'était amis ou frères Mette Info qui t'observent. Nous casser rendez-vous demain, même le à même chaîne, si papa bon Dieu content. À bientôt.